Alaykoum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous demande déjà de désactiver vos micros et vos caméras. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence par rapport à la présentation qui va être très interactive. Donc, n'oubliez pas de couper vos micros, vos caméras. Donc, voilà. J'ai partagé aussi sur YouTube. Donc, vous avez le choix de rester ici ou de suivre sur YouTube. Moi, je recommande vivement que vous restiez ici pour plus d'interactivité, pour plus d'exercices. Après, bien évidemment, pour les gens qui ont des empêchements, ils pourront revoir l'atelier tranquillement par la suite sur YouTube. Et si vous comptez aussi assister demain, ça serait bien de suivre aujourd'hui. Et si vous suivez aujourd'hui, il faut continuer par demain. Donc, on va commencer dans une petite, une à deux minutes maximum. Comme ça, on verra cette histoire de YouTube. Ça se passe, tout va bien. Quoi d'autre? J'ai tout réglé. Donc, je vous recommande que vous soyez assis déjà sur une table, sur un bureau. De quoi noter. Concentration totale. C'est une fois par an. Ne ratez pas cette occasion pour vaincre enfin cette phobie. Nous avons tous. On le sait. Alors, encore une fois, coupez pour nous tous. Ça va être dérangeant que je suis même ça. Donc, coupez vos micros à l'écran pour que je puisse être concentré sur la présentation. Donc voilà, là c'est bon. Je ne sais pas si Monsieur Gustave Lebon est là. Il va m'aider. Non, c'est bon. Je pense que les gens sont assez adultes, j'espère, qu'ils vont respecter la consigne et couper le micro. Très, très bien. Alors, dites-moi dans le chat, qui a la phobie de l'ECG? Alors, on veut que ça soit interactif. Allez. Qui a la phobie de l'ECG? Ah, quand même. Eh bien. Ah, quand même. Ah, Oussama Dewab. Ah oui, j'ai oublié que c'est international. Je vais parler complètement en français. Alors, vous avez de la phobie que je reconnais et que j'avais moi-même et que j'en garde quelques sédiments quand même. Alors, c'est dû à quoi? Cette phobie, elle est due à quoi? Pourquoi vous avez la phobie? Manque de pratique, le fait de ne pas pouvoir interpréter, l'inconfiance, la complexité, oui, quoi d'autre? Notre union de la bonne pratique, manque de compréhension, oui. D'accord. Quoi d'autre? C'est abstrait, trop de détails, très très bien. Ah, il y a des mots-clés, de jolis mots-clés qui sont sortis. Oui, manque de pratique, très très bien. Qui se sent, on va dire, confiant dans l'interprétation de l'ECJ? Qui se sent confiant dans l'interprétation de l'ECJ? Personne? Quand même.
On oublie. Oui. Ils ne sont pas là. Alors, je vous le dis d'emblée. Comme ça, il y aura un contrat moral entre nous. Moi, je suis sûr que vous allez beaucoup apprendre. Aujourd'hui et demain, vous allez aimer, vous allez apprécier. Ce n'est pas ça ce que je cherche. D'accord? Moi, ce que je cherche, c'est quoi? C'est que vous puissiez, dès lundi, commencer à interpréter. Ça ne sert à rien d'assister à 6 heures d'un challenge que je pense que ça va vous plaire, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que vous puissiez le pratiquer, le pratiquer et le pratiquer. D'accord? Si vous ne pratiquez pas, c'est comme le permis de conduire. Si on ne conduit pas, vous allez oublier la pratique. OK? Alors, juste une dernière question avant de commencer. Qui a un appareil de CG dans les lieux où il travaille? Oui. Est-ce que vous avez l'accès à cet appareil 24 heures sur 24? 24 heures sur 24. Il n'y a pas de souci de... Voilà. Voilà. Donc, les réponses, elles divergent. Il y a des personnes qui ont l'accès 24 sur 24, d'autres moins. Pas toujours. D'accord. C'est clair. C'est clair. Vraiment, vraiment, toute dernière question. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont un appareil ECG mais qui ne l'utilisent pas? Par peur, justement, d'interprétation. Ok. Très, très bien. Waha. Ok. Donc là, je suis là pour vous accompagner, pour vous montrer une manière très facile pour l'interprétation de l'ECG, des astuces, des choses très très pratiques. On a déjà fait cet atelier des centaines de fois et à chaque fois il y a des nouveautés. Alors cette année-là, on va travailler sur des modèles en 3D simulation. Vous allez pouvoir voir le cœur en trois dimensions et aussi demain, il y aura beaucoup de cas cliniques très pratiques. OK? Est-ce que vous avez de quoi noter, des stylos, fluorescents, registres, concentrés, pas de parasitage à côté. OK, on est hyper concentré. OK? Et on commence. Qui peut m'aider pour faire introduire les retardataires? Qui se présente. Je peux avoir un volontaire. Reda, tu le fais? Reda, Benmarak, ok. Alors, je vais te chercher parmi les participants. Reda, tu es où? Reda. Voilà, tu es là. Alors, Reda, tu es désormais co-animateur. Donc, tu peux faire entrer les personnes au fur et à mesure pour que moi reste concentré sur le. Après, s'il y a quelqu'un qui active son micro, tu le désactives et ainsi de suite. Il y a l'arbre. Alors écoutez, quand vous avez un ECG à interpréter, il y a un ECG, un papier, d'accord? Quelle est la première des questions à se poser? Je veux juste l'interpréter. Qu'est-ce que je me pose comme question? La première des questions à laquelle il faut répondre.
Ah bah bon, dans le raisonnement. Valide ou pas, ça c'est l'offre. Ça c'est dans ma tête. Pourquoi je prends un ECG en fait? Oui. On est loin de l'interprétation maintenant. Pourquoi j'ai fait un ECG, justement? Pourquoi on fait la CG? Pourquoi je fais un ECG? Pour chercher une pathologie. Très très bien. Donc il y a deux façons de voir. Soit que je peux chercher la pathologie à laquelle je pense, ou je ne sais pas trop la pathologie à laquelle je dois penser, mais je peux quand même vérifier quoi. Si je ne maîtrise pas la pathologie que je cherche, je peux chercher à quoi? Ben, tout simplement, il faut chercher est-ce qu'il est normal. On peut ne pas maîtriser des choses. Mais la moindre des choses, c'est de vérifier est-ce que le CG est normal ou pas. Donc, quelle est la première question quand je prends un ECG? Je prends le papier dans ma tête. Très, très. Alors, mettez fluorescent là-dessus. Je prends le CG, le papier, dans ma tête. Est-ce qu'il est d'abord normal ou pas? C'est la toute première. Question. D'accord? On est loin maintenant de l'interprétation. On est maintenant dans le raisonnement, dans le cognition. Doucement. On va y arriver. Très bien. Vous allez voir que reconnaître un ECG normal, il n'y a pas plus facile que ça. Donc, ça, vous allez le maîtriser à 100% à travers ces 2 jours. OK? Maintenant, si le CG est normal, donc il est comment? Le CG n'est pas normal. Donc, automatiquement, elle est pathologique. Parce qu'il y a le normal et le pathologique. Soit le CG est normal, c'est ce qu'on veut. Donc, de ce côté-là, il va être normal. Alors, vous avez un ECG normal. Est-ce que le patient est normal? D'accord. Très bien. Donnez-moi une pathologie qui assez sévère, et pourtant le CG peut être normal. Non, une pathologie à laquelle j'ai pensé en faisant le CG, et pourtant je trouve un CG normal. Bien. Par exemple, l'un des syndromes coronariens aigus non ST plus, le CG peut être tout à fait normal. Donc, ce n'est pas parce que nous avons trouvé un ECG normal qu'on va se dire que le patient n'a rien. Il faut toujours faire quoi quand le ECG est normal? Toujours faire une corrélation avec la clinique. C'est très important, s'il vous plaît. Deuxième fluorescent. Quand je dis fluorescent, ce sont des mots clés. Deuxième fluorescent. Je n'interprète jamais un ECG sans corrélation avec la clinique. Je n'interprète jamais un ECG sans corrélation avec la clinique. Est-ce que c'est clair? Je ne parle pas maintenant ni de troppo ni de rien. Ce sont les principes. On a commencé par les principes. Un praticien, il doit raisonner. Je prends un papier, normal ou pas. S'il est normal, je fais une corrélation avec la clinique. Maintenant, le CG est anormal. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que là, je ne peux pas tout maîtriser. Ce n'est pas évident pour un novice comme moi de tout maîtriser sur le CG. Ce n'est pas du tout évident. Voilà. Dans l'anormal,
Il y a des choses qui ne vont pas, on va dire, tuer le patient sur place. Mais dans la normale, il y a aussi des situations qui sont graves. Donc, quelle est la question que je vais me poser après avoir détecté un ECG qui n'est pas normal? Voilà, chercher. Est-ce que c'est grave ou pas? D'accord. Votre objectif d'une interprétation simple de l'ECG, c'est quoi? C'est de détecter, de reconnaître deux choses. Lesquelles? Allez. Qu'est-ce que vous allez devoir reconnaître? Deux objectifs principaux. Faut pas trop aller dans les détails. Excellent. Bravo, Ayoub. Je dois reconnaître l'ECG normal. D'accord. Je dois retenir le CG avec des pathologies graves. Est-ce que c'est clair? Reda, s'il te plaît, tu peux suivre les micros. C'est dérangeant les épaules. Je répète. Quand j'ai un CG, je dois. Reda, quand tu mets mute ton micro, tu le mets à tout le monde, mais tu me laisses moi. Donc, je répète. Je reconnais un ECG normal, je reconnais un ECG grave. OK? Alors, regarde, je vais commencer par un tracé. Normalement, les années dernières, je l'ai laissé en dernier, mais je peux commencer par ça. Vous allez tracer avec moi. Un tracé ECG normal que vous connaissez tous. Donc voilà, ça commence. Il y a l'onde P, l'espace PR, le Q, le R, le S, le ST. Et l'un de T. Alice, dessinez comme moi, je vous attends. C'est fait. Alors, à votre avis, ça c'est l'onde P, ok? En termes de choses graves à ne pas rater aux urgences. Qu'est-ce que vous devez ne pas rater ici? À ce stade-là, juste au départ. Alors, une hypertrophie, si tu la rates devant une situation critique, c'est pas grave. Mais après, si tu rates, par exemple, une fibrillation auriculaire, ça, c'est pas bon. OK. Ici, c'est quoi? L'espace PR. On verra tout à l'heure. Il ne faut pas rater quoi particulièrement? Les allongements, les anomalies de l'espace PR. Souvent, les BAV. Ça, c'est quoi comme complexe? Le QRS. Alors, il y a pas mal de choses à reconnaître dans le QRS. On va détecter quoi ici déjà? Quand un QRS est élargi, c'est quoi jusqu'à preuve de contraire? C'est les blocs de branche. Et on verra que les blocs de branche, parmi les blocs de branche, ce n'est pas. Qu'est-ce qu'on doit chercher aussi à ce niveau-là, entre autres? Ça peut être aussi des troubles de rythme, dont certains peuvent être très graves.
Quoi d'autre aussi? Des choses à chercher aussi. Précipitation. Voilà. Parfois, on peut trouver quelques ondes qui, dans le contexte de l'urgence, ce n'est pas. Alors ici, on va chercher quoi? Particulièrement le syndrome coronaire aigu. Bien sûr, ça peut être autre chose, mais là, je vous dis, les quelques pathologies à surtout ne pas rater. OK? Au niveau de l'anté, il faut pas oublier de chercher quoi? Toujours le syndrome coronaire aigu. Il y a aussi le potassium. D'accord? Alors, on est à combien de pathologies là qu'il ne faut pas rater? Il y en a d'autres, mais je pense qu'ils sont les principales dans le contexte de l'urgence. Si on maîtrise 8 à 10 pathologies à ne pas rater aux urgences, je pense que l'objectif est déjà atteint. Et on verra au fur et à mesure de l'avancement de l'atelier les astuces et les méthodes pour diagnostiquer telle ou telle pathologie. C'est bon? C'est bon? Alors maintenant, on va commencer du commencement par des rappels anatomiques, physiologiques, qui sont très importants pour la suite. Vous allez voir que la première partie de la moitié, c'est-à-dire d'aujourd'hui, est assez théorique, mais elle est très, très importante pour comprendre la suite. Vous l'avez dit tout à l'heure dans les commentaires. Vous avez dit que vous n'arrivez pas à le comprendre. Mais si on comprend qu'est-ce qui se passe dans le cœur, le reste, ça va être vraiment très, très facile. On y va? On y va? Donc, avant de commencer, vais vous montrer la position du cœur dans le thorax et le comment le cœur. Est-ce qu'il est comme ça, le cœur? Il est comment? Il est comme ça, droit? Non, il est comment? Comme ça, il est incliné vers la gauche et comme ça. Et bon, je répète, le cœur au milieu du thorax, c'est comme ça, puis incliné comme ça. OK? Cette zone-là, en bas, c'est quel territoire? En bas, je le vois. C'est quel territoire? Ici, c'est le territoire inférieur. Donc, pour pouvoir voir les territoires inférieurs, il faut le voir de face ou là d'en bas? Je vais le voir d'en bas ou de face? D'en bas. Il faut que je fasse comme ça. Le territoire inférieur, regarde. Il comporte plus de cœur droit que de cœur gauche. Territoire inférieur, c'est ici. C'est plus du cœur droit ou du cœur gauche? C'est plus du cœur droit, un peu de cœur gauche. C'est plus du cœur droit, un peu de cœur gauche. Très bien. Ce territoire-là, ah, c'est lequel en face? C'est le territoire en face. Le territoire antérieur, parce qu'il est à l'antérieur. Tout ça, c'est le territoire antérieur. Il comporte plus du cœur gauche. Du cœur droit, ici. Beaucoup de cœur gauche, un peu cœur droit. D'accord? Ce territoire, tout ça, c'est quel territoire? C'est le territoire latéral. D'accord? Territoire
latéral. Le territoire latéral, c'est du cœur gauche ou du cœur droit? On va dire complètement du cœur gauche. Complètement du cœur gauche. Je répète, finalement, quels sont les trois principaux territoires? Pour une analyse rapide. Aujourd'hui, on est dans une analyse très très rapide. L'inférieur, l'antérieur, latéral. Je répète, l'inférieur, l'antérieur et latéral. C'est clair? Donc nous allons noter ces les trois territoires. Tout à l'heure, quand on fera des schémas, vous allez voir qu'il y a des zones qui sont mal explorées au départ. Et je vais vous donner quelques astuces pour les explorer aussi. Mais là, je parle des principaux territoires. N'y a pas que ça. Il y a d'autres territoires, mais ces trois-là sont les principaux. Alors, quels sont les principaux territoires? Alors, les principaux territoires. Inférieur, antérieur et latéral. OK, il y a d'autres territoires qu'on verra par la suite. Je vais vous expliquer par la suite aussi pourquoi ces trois territoires sont si importants et pourquoi on en parle dès le départ. Mais retenez d'abord qu'il y a trois grands territoires, inférieur, antérieur et latéral. L'inférieur, c'est plus du cœur droit que le cœur gauche. L'antérieur, c'est plus du cœur gauche que le cœur droit. Le latéral, que du gauche. C'est clair à ce stade? J'y vais très doucement parce que je sais que le public il est hétérogène. C'est clair à ce stade. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre une nouvelle page très grande. C'est le très fameux schéma que je fais chaque année. Donc prenez une page en mode portrait, comme moi. C'est bon? Vous l'avez fait? Et on va dessiner le cœur. Donc, les oreillettes. Tricule gauche. Le droit. C'est bon? Ça, c'est le cœur, OK? OK. Le cœur, sa paroi, elle est constituée de quoi? La paroi du cœur. Oui. Myocarde. Très bien. Et au sein du myocarde, il y a à l'intérieur du myocarde, il y a l'endocarde, myocarde et épicarde. Et le tout, ils sont enveloppés par le péricarde. Je vais dessiner ici le myocarde. Dessiner comment le myocarde? Allez, dessiner le myocarde. C'est fait. Très bien. Ce cœur-là est divisé en deux par
Quel septum? C'est le septum interventriculaire. Donc, on va dessiner le septum interventriculaire, par exemple, comme ça. Donc, le septum interventriculaire, il sépare quoi de quoi? Le VD du VG, d'accord? Retenez-le. Quand on dit septum, c'est une structure plutôt fibreuse. Et qui dit structure fibreuse dit quoi? C'est un fragile, certes, oui, pas d'influx. C'est exactement ça. C'est un, on va dire comme c'est un isolant électrique. Qui dit structure fibreuse, c'est un isolant électrique. D'accord? Et cette notion est très importante, on comprendra par la suite pourquoi. Donc le cœur est divisé entre cœur gauche et cœur droit. Le cœur droit, il est divisé en quoi? Allez-y. Entre oreiller droite et ventricule. Ils sont séparés par quoi? Ils sont séparés par là. Donc on va dessiner la valve. Tricuspide qui est ici. Donc en haut, il y a l'oreillette droite et en bas, le ventricule droit. L'oreillette droite, il fait quoi? Quel est le rôle de l'oreillette droite? L'oreillette droite. C'est elle qui collecte le sang. Et ce sang-là, il arrive d'où? Il arrive des veines caves supérieures, des veines caves inférieures, mais aussi le retour veineux de quel organe? Ben, le retour veineux du cœur lui-même. Le retour veineux du cœur lui-même, on l'appelle sinus coronaire. Le sinus coronaire. Très, très. Le sang de l'oreillette droite. Après, il part où? Dans le ventricule droit. Ça, c'est clair. Et après le ventricule droit, le sang, il part vers l'artère pulmonaire. Il va vers le poumon, il va prendre de l'oxygène, et après, il revient par quoi? Il revient par les veines pulmonaires. Vers quoi? Vers l'oreillette gauche. Il revient ici. D'accord? Et l'oreillette gauche, il va faire quoi? Il va déverser le sang vers le ventricule gauche. Et les séparer du ventricule gauche par quoi? Par la valve mitrale. Est-ce que vous êtes à ce niveau de schéma, les amis? Vous me suivez dans le schéma. Il faut dessiner comment. Donc le sang du ventricule gauche, après, il va partir où? Dans la. Pour vasculariser le corps. Très, très. Alors, il faut savoir que même les valves tricuspides et mitrales, elles sont creusées dans un sillon. Équivalent à quoi? Les valves, ces valves-là, elles sont creusées dans un sillon ici. Il est équivalent à quoi? Un septum. Ce n'est pas un vrai septum, mais c'est juste un sillon, mais qui se comporte comme un septum. Comment on va appeler ce septum-là? Le septum auriculo-ventriculaire. D'accord? Le septum auriculo-ventriculaire. Pour faire très simple, le cœur ressemble à ça. Une poire divisée en deux.
C'est bon? Donc, il y a combien de chambres dans le cœur? 4. Quelle est la chambre la plus large? Le ventricule gauche. Pourquoi? Pourquoi c'est le ventricule gauche? Tout dépend du régime de pression qu'il irène. Le ventricule gauche, il fait beaucoup d'efforts. Il pompe le sang contre une résistance. Donc, il y a un régime de pression qui est très élevé. C'est normal que le VG va être grand. Par contre, quelle est la chambre qui a la pression la plus basse? C'est l'OD. Excellent. Très bien. Et ça explique quoi, finalement? Ça explique quoi? Donc, ça facilite le retour veineux, mais en plus, c'est la première chambre à être quoi? C'est la première chambre à être comprimée lorsqu'il y a un processus qui pousse de l'extérieur. Par exemple, une tamponade. Très, très. Par exemple, une tamponade. Dès que la pression dans l'espace péricardique dépasse un certain niveau, l'oreillette droite, du fait qu'il a la pression la moins basse, il se collabe facile. Alors ça, c'était l'anatomie. OK. Dans chaque organe, il y a une innervation et une conduction. D'accord? Nous allons commencer par la conduction. Vous changez de couleur de stylo si possible. Il y a un compte. Je vais choisir le vert. Alors, la pile principale du cœur, ça commence où? Qui stimule le cœur en permanence? C'est le nœud sinusal. Il est où? Le nœud sinusal, il est où? Dans la paroi postérieure. Le nœud sinusal. D'accord? Très, très bien. Il est assez proche aussi du sinus coronaire. C'est pour cette raison qu'on appelle le nœud sinusal. Alors, quand je dis nœud sinusal, c'est-à-dire ces cellules, ils sont comment? Ce sont des cellules. Comment les appelons? Comment on appelle les cellules du nœud sinusal? Tout simplement, c'est les cellules nodales. Très bien. Et quelle est la caractéristique d'une cellule nodale? Il y a l'automatisme. Et c'est quoi l'automatisme? C'est quoi l'automatisme? Voilà, il se dépolarise spontanément. Il n'a pas besoin d'être excité. Elle se dépolarise spontanément. Amen. Très bien. Que va faire cette pile quand il va stimuler? Il va faire quoi? Ah. Il va stimuler. Il va propager l'influx. D'accord? Il a propagé l'influx. D'accord? Pour faire quoi? Il va propager l'influx pour faire quoi? Pour dépolariser quelles cellules? Les cellules, les myocytes, pour donner quoi? Une contraction. Ça veut dire, je vais revenir à ce schéma, les amis. Ça veut dire dans le cœur, il y a trois types de cellules. Il y a des cellules qui sont quoi? Qui sont spécialisées dans les cellules qui se déploient en même tout le temps. Ce sont des cellules spécialisées dans, vous l'avez dit, dans l'automatisme. Allez, le premier type de cellules dans le cœur, c'est des cellules spécialisées dans les automatismes. Comme les cellules de quelle comme les cellules de d'une cellule. Il y a des cellules qui font quoi? Ils transmettent. Voilà, il y a des cellules qui sont spécialisées dans la
conduction, c'est-à-dire qui vont transmettre le message, l'influence. OK. Et il y a des cellules enfin qui sont spécialisées dans la contraction. D'accord? Fluorescence, s'il vous plaît. Dans le cœur, il y a trois types de cellules. Des cellules responsables de l'automatisme. Des cellules responsables de la conduction. Et des cellules responsables de la contraction. D'accord? Bien sûr, il y a de la connexion à travers elles. Donc, je reviens. Dans ce qui est vert ici, c'est quel type de cellule qui est là? Dans ce qui est vert. Les automates. Il va donner son influx vers quelle cellule? Pardon. Conductrice, d'accord? Qui vont d'abord faire contracter quel oreiller? Droite ou gauche? Donc, ça commence par l'oreillette droite. OK. Ensuite, la conduction va donner la contraction de l'oreillette gauche. C'est bon. Donc, regarde. D'abord l'oreillette droite, puis l'oreillette gauche. Parce que c'est clair. C'est d'abord l'oreillette droite. Puis, gauche. En quoi c'est intéressant cette notion? Prenons par exemple l'onde de P. Je vais dessiner l'onde de P. Que l'onde de P? Marche. Alors, la première partie de l'onde P, elle dépend de quelle oreille? Droite ou gauche? Droite. Et la deuxième partie de l'oreillette, elle dépend de l'oreillette gauche. Ça explique le fait que, ça on va y arriver demain dans les interprétations, que lorsqu'il y a une hypertrophie de l'oreillette droite, ça va tirer vers le haut. Et donc, ça va donner des ondes P comment? Ça va donner des ondes P1. Donc, HAD, c'est des ondes P1. Quand c'est l'oreillette gauche qui va augmenter de taille, ça va tirer dans la largeur. Et du coup, on aura, dans l'HAG, on aura des P larges. C'est bon? C'est bon? Je reviens à mon schéma. À votre avis, qu'est-ce qui se passe à cette contraction du ver, à la conduction et à la contraction? Qu'est-ce que vous remarquez? La conduction puis la contraction, il, elle. Le prochain, oui, mais le problème, est-ce que c'est avec ça qu'on va vivre? Il ne diffuse pas. Elle ne touche pas les ventricules. Pourquoi? Pourquoi ça ne touche pas le ventricule? Parce qu'il y a ce barrage, l'isolant électrique, très très bien. Donc il nous faut quoi? Il nous faut un relais, très très bien. Il nous faut un relais. Et ce relais-là, c'est quoi? C'est le nœud. Auriculo ventriculaire.
C'est bon? Le nœud auriculo-ventriculaire. C'est bon? Quel est son rôle? Quel est son rôle? Ben, c'est de prendre la conduction, la stimulation transmise par les cellules conductrices et faire propager l'influx nerveux vers où? Vers l'étage en bas. D'accord? Donc, à travers quoi? Qui va traverser? Qu'est-ce qui va traverser le faisceau de His? Ça marche? OK. Alors regarde. Si je prends le nœud auriculo-ventriculaire. OK. Pardon. Je vais prendre dans le nœud auriculo-ventriculaire. Je vais essayer de le prendre en vaso. Si je le prends comme ça, ok. Est-ce que le faisceau de His va être stimulé par le courant imposé par les cellules conductrices? Regardez. Ben oui, bien sûr que oui. C'est possible. Regarde. Ben, ça arrive. Si j'enlève le nœud auriculo-ventriculaire, est-ce que le faisceau de His va être stimulé par le courant conduit par les cellules conductrices? Dès que ça arrive, ça marche. Bien sûr, oui. Anna, pour moi, c'est oui. C'est un grand oui. Très bien. Donc, la question que je vais vous poser, c'est quoi? À quoi bon, finalement, le nœud auriculo-ventriculaire? Justement, à quoi ça sert? En fait, regarde, il n'y a pas de nœud auriculo-ventriculaire. Qu'est-ce qui va se passer? Les oreillettes et les ventricules, ils vont faire quoi? Presque. Ils vont. Si nous n'avions pas de nœud auriculo-ventriculaire, les oreillettes et les ventricules, presque, ils vont se contracter en même temps. Est-ce que c'est bon? C'est bon en même temps? Bien sûr que c'est non. Pendant que quelqu'un se contracte, l'autre, il doit se relâcher pour accepter du son. C'est pour cette raison que nous avons le nœud auriculo-ventriculaire qui est là. Et il essaie de faire quoi, justement? De ralentir le courant qui arrive et l'adapter en fonction du métabolisme de l'organisme. Ça marche? Très bien. Ensuite, le faisceau de His, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser en quoi? Il va diviser en deux branches. La branche droite du faisceau de His. Et la branche gauche du faisceau de His. D'accord? Donc branche droite, branche gauche. La branche droite, il va faire quoi? Allez, la branche droite, il va faire quoi? Non, il va se diviser en. Parce qu'il va diviser pour toucher tous les muscles, il va diviser en dans le fameux réseau.
Comment s'appelle ce réseau-là que vous connaissez très bien? Le faisceau de Purkinje. Exactement, Purkinje. Le Purkinje. La branche gauche, il va faire quoi? La branche gauche, il va faire quoi? Alors, la branche gauche, par contre, il va se diviser en deux branches. Une qui va rester en antérieur. C'est l'hémibranche antérieure. Et l'autre qui va partir en postérieur, c'est l'hémibranche postérieure. Ça marche, vu justement que le ventricule gauche il est plus costaud que le ventricule droit. Donc ici, je mets dans les jambes, c'est le His, la branche droite, la branche gauche, l'hémibranche antérieure, l'hémibranche postérieure. C'est clair jusqu'à maintenant? C'est clair? Si vous pensez que je suis rapide, je peux encore ralentir, mais je pense que je suis dans le bon tempo. Alors maintenant, tout ce qui va toucher du verre, ça sera des quelles pathologies? Ça sera des troubles de la. Ce sera des troubles de la conduction. Tout ce qui va toucher du verre, ça va être la conduction. D'accord? Donc, comment on va appeler cette pathologie-là qui va être caractérisée par une atteinte du nœud sinusal? C'est le bloc, sinon auriculaire. Le nœud ou les autres voies de conduction, mais surtout le nœud sinusal. OK. Est-ce que, à votre avis, dans le bloc sino-auriculaire, est-ce que le temps de conduction entre les oreillettes et les ventricules va changer? Ici, est-ce que ce temps-là va changer? Non. Donc, sur le CG, le PR va être normal ou pas? Peut être normal à condition qu'on arrive à voir l'onde de pi. On va y arriver. Donc le tracé, il va être comment dans le bloc sino-auriculaire? Il va être rapide ou ralenti? Non, en termes de fréquence, est-ce qu'il va être. Vous pensez qu'il va être rapide? Il va être ralenti. Pourquoi il va être ralenti? Parce que la pile principale, elle est fatiguée. D'accord? Je le dis toujours dans mes ateliers, c'est comme l'histoire de la télécommande, de la télévision. D'accord? Il arrive à un moment, il fait quoi? Parfois, ça arrive quand les piles commencent à être usées. Qu'est-ce qui se passe à la commande? Elle bloque. Et on fait quoi en général quand ça bloque? On tape, on mord. On change de pile, on prend par terre, par là, sur la table, et à un certain moment, ça passe. D'accord? Mais quand ça marche, est-ce que la télé prend du temps à s'allumer? Non. Vous avez compris maintenant le parallélisme? Je n'ai pas envie de la télé, elle s'allume rapidement. C'est sauf la commande qui prend du temps pour c'est-à-dire envoyer la commande. Vous avez compris le parallélisme? Alors, notez-le dans le fluorescent, dans le bloc sino-auriculaire, c'est la télécommande qui ne fonctionne pas bien. Très bien.
Maintenant, j'ai un souci ici. C'est quelle pathologie que j'aurai? C'est les bien. OK. Alors, si vous avez compris l'histoire de la télécommande et de la télévision, qui peut m'expliquer bien avec qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème dans la télécommande? Non, la télécommande fonctionne à merveille. Sauf que, qu'est-ce que la télévision, la télévision, elle fait quoi? Soit qu'il ne va pas s'allumer. Il ne s'allume pas du tout, c'est le BAV troisième degré. Ou il s'allume, mais avec beaucoup de retard. Ça prend du temps. Et parfois même quand il s'allume, il peut s'allumer, mais la qualité de l'image, elle est mauvaise. Est-ce que vous avez compris? Donc dans le BAV, ce n'est pas la télécommande qui ne marche pas. C'est quoi? C'est la télévision. Alors, pour les gens qui ont un problème de son, il suffit juste d'appuyer à gauche sur votre portable, rejoindre l'audio. Et c'est tout. Écoutez maintenant, j'ai un souci ici. C'est quoi comme pathologie? Pensez. Qu'est-ce qui est touché ici? C'est le faisceau de His. Donc, je peux aussi l'appeler un BAV, mais qui est dans le His. D'accord? Donc, justement, celui-là, il va être proximal, c'est-à-dire proche de l'origine de la pile. Celui-là, il est plutôt distal. Donc, je distingue le BAV proximal, le BAV distal. Demain, vous allez voir qu'il y a une petite différence entre les deux en termes de quoi? En termes de pronostic. C'est le tube de la télé, on va dire, le faisceau de His. En termes de pronostic, très bien. Écoutez, j'ai un blocage ici. C'est quelle pathologie? Très bien, c'est le bloc de branche droite. J'ai un blocage ici. C'est bloc de branche gauche. J'ai un blocage ici. Et mi-bloc antérieur gauche. J'ai un blocage ici. Bloc intérieur gauche. C'est clair? Parmi ces pathologies, quelles sont celles qu'on peut dire? Ce sont des troubles de la conduction supraventriculaire. Ce que vous allez faire, vous dessinez une ligne virtuelle. Qui est ici? Ah, il y a la ligne virtuelle. Bien sûr. Tout ce qui est en haut, c'est des troubles supraventriculaires, comme quoi le BSA, le BAV proximal. Est-ce que c'est clair? Un instant. C'est clair? Dites-moi maintenant les troubles de conduction intraventriculaires. Les troubles de conduction intraventriculaire. BAV distal, quoi d'autre?
Les BBD, les BBG et les immunoglobulines. Très, très bien. C'est clair? C'est clair à ce niveau? Très bien. Écoutez, les troubles de la conduction supraventriculaire, d'une façon générale, ils ont tendance à faire quoi au niveau du rythme cardiaque? À le ralentir ou à l'accélérer? Très, très bien, bravo. Donc, vous mettez en fluorescent les troubles, pas tous. Maintenant, c'est la tendance. Les troubles de conduction supraventriculaire, ils ont tendance à ralentir le cœur. Les troubles de la conduction intraventriculaire, ils ont tendance à faire quoi au niveau de l'ECG? Le QRS, il devient large. D'accord? Et en fait, pourquoi cette notion-là? Pourquoi on dit que le QRS est large si en faveur d'un bloc de branche? Parce que, bon, on peut le dire dès maintenant, un QRS normal, il est toujours comment? Un QRS normal est toujours. Toujours fin, d'accord? Ok. Pourquoi il est fin? Pourquoi un QRS normal devrait être fin? Et pourquoi il est fin à la fin? Pourquoi on a l'aspect qui est vraiment très fin? Ce QRS-là, il correspond à celui du VG ou du VD? Les deux. Et pourquoi on ne voit pas deux QRS en fait? Ce qu'il y a les deux. Exactement. C'est très important que tout ce travail se fait d'une façon synchrone. Si quelqu'un tarde par rapport à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se décaler. D'accord? Ils vont se décaler. Et du coup, on aura cet aspect-là, par exemple. De toute façon, on verra ça en détail. C'est clair? Donc, fluorescent, les troubles de conduction supraventriculaire, ils ont tendance à élargir, pardon, à ralentir le cœur. Les troubles de conduction intraventriculaire, ils ont tendance à élargir le QRS. C'est clair à ce niveau-là? Ça dépend qui est bloqué. Je ne vous donne pas beaucoup de détails maintenant sur les pathologies parce que j'ai envie que vous compreniez d'abord le normal et demain, ça va être la pathologie. C'est clair à ce niveau-là. Les fluorescents sont écrits, les schémas écrits, bien faits. C'est clair? Alors, j'ai dit, écoutez-moi bien. Comme c'est un niveau hétérogène, j'y vais très doucement. Donc, je ne peux pas être plus lent que ça. Donc, concentrez-vous pour que je reste pas obligé de répéter la même chose deux fois. Je vais répéter pour la dernière fois. Les troubles de la conduction supraventriculaire, on a tendance à faire quoi? À ralentir le cœur. Les troubles de la conduction intraventriculaire, ils ont tendance à élargir le QRS. Maintenant, à votre avis, on va penser à dessiner quoi? On va partir sur la vascularisation. Très bien. On va partir sur la vascularisation. Alors, le cœur, il est vascularisé par quel vaisseau?
parler de ce coroner. Vous savez bien évidemment pourquoi ce terme-là, coroner, juste culture générale. Pourquoi on les appelle artères coronaires? Voilà, parce qu'ils chapeautent le cœur comme une couronne. Comme une couronne. OK? La vascularisation chapeaute le cœur comme une couronne. C'est bon? Oui, j'ai oublié une petite parenthèse pour le faisceau du Purkinje. Il part dépolariser en premier l'endocarde, le myocarde ou l'épicarde, à votre avis. Qu'est-ce qui est dépolarisé en premier? Le réseau du Purkinje, il dépolarise quelle couche? C'est l'endocarde. D'accord? Rappelez-vous aussi de cette notion. Pour comprendre par la suite, ce sera demain, pourquoi l'onde T et le QRS sont dans le même sens. Alors que un, c'est la dépolarisation et l'autre, c'est la repolarisation. Vous allez comprendre pourquoi le QRS et l'onde T sont dans le même sens. Alors que un, c'est la dépolarisation et les deux, c'est la repolarisation. Non, je ne vais plus répéter. Vous suivez. La dernière fois, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que je suis rapide? Alors vraiment, je ne peux pas être plus lent que ça. J'essaie de m'adapter à tous les niveaux. Pour les uns, ça va être des nouvelles informations. Et pour les autres, ça va être du rafraîchissement. Donc, je vais rester à ce niveau. Très bien. Les vaisseaux coronaires, ils viennent d'où? De l'aorte, avant ou après la valve? Aortique, je veux dire. Après. D'accord? L'orifice de sortie des coronaires s'appelle comment? Oui. Non, mais les orifices, c'est les ostéons. Le pluriel d'ostéons, c'est les ostéas. Donc, vous allez prendre la couleur rouge. En pointillé, vous mettez la valve aortique. Elle est à l'intérieur avec les trois valves, le signe de la Mercedes. Qu'est-ce qui sort de la valve aortique, les amis? Qu'est-ce qui sort? L'aorte, on est bien d'accord. C'est bon, vous avez dessiné. Ici, c'est quel ostéum ici? C'est quel ostéum? Celui-là, c'est quel ostéum? Ostéum droit, qui va donner lieu à quoi? À la coronaire droite. Dans les comptes rendus des cardiologues interventionnels, elle la symbolise par la CD. La coronaire droite, à votre avis, il part vasculariser quel territoire particulièrement? Voilà. Territoire inférieur qui comporte plus de. Plus de cœur droit que de cœur gauche. On commence à faire la connectine entre les différentes noces. Ça, c'est quel ostéo? Ostéo coronaire gauche, qui va donner lieu à quoi? Tronc commun ou encore la coronaire gauche. C'est un tronc qui est assez volumineux. Pourquoi? Pourquoi c'est assez volumineux? Encore une fois, rappelez-vous, le côté gauche est un peu plus costaud.
D'accord. Et ce tronc commun, la coronaire gauche, il va se diviser en deux. Qu'est-ce qui part en premier? On a C'est quoi cette artère-là qui descend dans le sillon interventriculaire? C'est l'ivia. C'est l'interventriculaire antérieur. Ça marche? Et elle, il va vasculariser quel territoire particulièrement? Rappelez-vous, le territoire antérieur, qui comporte plus de gauche que du col. Et la deuxième branche, ça serait quoi, les amis? La CX, la circonflexe, la circonflexe, qui elle va partir vasculariser quoi? D'une façon générale, latérale. Alors, ça, il faut savoir qu'il y a des modifications anatomiques, mais ça, d'une façon générale. D'accord? Alors, la CX, il va contourner le cœur. Il va rencontrer quoi derrière le cœur? À votre avis, il va rencontrer quoi derrière le cœur? Il va rencontrer là? À quoi on est là? D'accord? Et l'IVA, quand il arrive à la pointe du cœur, qu'est-ce qu'il fait? L'IVA, quand est-ce qu'il va arriver à la pointe, il va contourner le cœur et il devient quoi derrière? Devient l'interventriculaire postérieur. Ils vont tous se rencontrer derrière le cœur. C'est bon? Vous avez dessiné le schéma comme moi? Les amis, est-ce que vous avez dessiné le schéma comme moi? Alors, qu'est-ce que vous arrivez déjà à distinguer, juste visuellement? On arrive à voir quoi déjà? Des réseaux, des territoires. On a l'impression qu'il y a un certain parallélisme entre quoi et quoi? On a l'impression d'avoir un certain parallélisme entre quoi et quoi? Très très bien les amis, excellent. Ça veut dire que vous suivez très bien. Très. Alors, le premier territoire qu'on voit, c'est quoi? Ce territoire-là, c'est quoi? C'est quoi, c'est? C'est le territoire inférieur. Alors, vous êtes comme moi. Et qui va vasculariser plutôt par quoi? Par la coronaire droite. Très bien. Ce territoire-là. C'est quel territoire? Latéral. Et qui est vascularisé par quoi? Par là. La CX. C'est bon? Qu'est-ce qui reste? Très bien. Alors, on avait dit que l'antérieur, c'est plus de quoi? Du cœur gauche ou du cœur droit? Cœur gauche. Sur ce schéma-là, on a l'impression que ce territoire, elle est.
Alors que c'est le plus important. Sur le schéma, on a l'impression que c'est petit entre les deux. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Tout simplement parce que le schéma, il est en 2D. Et en fait, là, ça arrive jusqu'au en Ontario. Donc, le territoire ontarien, il est très grand. Donc, le territoire ontarien, on va le dessiner ensemble. Il comporte même le septentrion et la pointe. Ça, c'est le territoire ontarien. Vous me suivez sur vos schémas, les amis? Parce que moi, la tablette, il m'aide. Voilà. Voilà. C'est fait. C'est bon? C'est bon? Alors écoutez, j'ai par exemple un trambus ici. Sur quelle artère? Quand on est à droite, très bien. J'aurai quoi comme pathologie derrière? L'IDM plutôt inférieur. Et je vais partir le chercher sur quelle dérivation? Sur les dérivations qui regardent justement le territoire inférieur. Jusqu'à là, le raisonnement, on est OK. Il se maintient le raisonnement, OK? J'ai un trambus ici. Qu'est-ce que j'aurais comme pathologie, les amis? Non, on n'a pas encore cité les dérivations, juste le raisonnement. Restez dans le raisonnement. On va y aller doucement. J'ai un trambus ici. Ici, je vous ai montré. J'aurai un IDM antérieur et je vais partir les chercher dans les dérivations qui regardent le territoire antérieur. Ce sera un IDM antérieur. J'ai un trambus ici. Donc j'aurai quoi? Un IDM latéral. Par atteinte de quelle artère? De l'artère CX. Et du coup, je vais partir le chercher sur les dérivations qui regardent le territoire latéral. Alors maintenant, écoutez. Il y a un trambus ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un idème à la fois quoi? Antérieur et latéral. C'est ce que nous appelons l'idème antérieur étendu. Quand vous entendez le mot étendu, c'est une phrase qui a été tronquée. Théoriquement, on dit idème antérieur étendu à la région latérale. C'est clair? C'est clair? Donc, quand vous entendez le terme IDM antérieur étendu, c'est elle est étendue à la région latérale. C'est bon? Très bien. Donc, pour pouvoir analyser le cœur dans sa globalité, on a besoin de quoi finalement? On a besoin de caméras de surveillance. Exactement. S'il y a une caméra qui regarde ce côté-là, il y a une caméra qui regarde ce côté-là, est-ce qu'il va pouvoir voir ici s'il y a des problèmes dans l'inférieur? Non, c'est impossible. Il nous faut des caméras de surveillance un peu partout qui entourent le cœur. Et ces caméras de surveillance, ils vont détecter quoi? Les caméras de surveillance, ils vont détecter l'activité mécanique ou l'activité électrique du cœur? L'activité électrique. Très, très, très bien. L'activité mécanique, c'est elle qui est dans le débit, le pouls.
la pression artérielle. Mais ce qui est détecté par les électrodes, ce sont des ondes de dépolarisation qu'on verra tout de suite même. Est-ce que c'est clair? D'abord, le rappel anatomo-clinique. Oui. Donc, on va le réviser tout de suite même. À chaque étape, on fait des pauses et on révise. Bon, ce que je vais faire, je vais réviser avec vous la première partie, c'est-à-dire alors, le rappel anatomique, allez-y. Ce que vous voyez là, c'est les quatre chambres. Et on peut faire un parallélisme entre l'anatomie du cœur et une maison avec trois pièces et grande salle. Ça, c'est les voies de conduction que nous avons vues. Nous avons aussi vu les troubles de la conduction. Tout ça, on l'a vu. Ça, c'est la vascularisation. Et quand je vous dis que la circonflexe, il tourne pour rencontrer la droite, et l'interventriculaire antérieur qui devient postérieur, on a l'impression d'avoir deux ellipses. Ça, ce sont les territoires. Alors, ça, c'est quel territoire? C'est le latéral, l'antérieur, l'inférieur. Alors maintenant, cette histoire de territoire, quel est son grand souci? J'ai vu dans les messages des gens qui se posaient la question. Allez, quel est le grand souci, vous m'avez dit? Regardez dans le petit onglet où j'apparais. Regarde, ça c'est le cœur. On a cette partie-là, juste en haut. Toujours du chondrome qui est mal exploré. Mais surtout, quel côté-là qui n'est pas bien exploré? C'est le mur postérieur. Donc, pour le faire sur le schéma, on a cette partie-là qui est mal explorée. Par un sujet 12 dérivation et on a tout ce qui est en arrière. C'est ça l'intérêt d'avoir un ECG à plus que 12 dérivations en voyage. Donc je disais tout à l'heure que les électrodes, les dérivations, ils détectent l'activité mécanique ou électrique. Mécanique, électrique, pardon. Donc les électrodes, ils vont détecter un potentiel d'action, c'est-à-dire un mouvement de charge négative et positive à travers la membrane des myocytes. Si vous prenez une cellule, peu importe. OK, à l'état stable. Vous mettez une pipette à l'intérieur. Cette pipette-là, elle va afficher une charge négative ou positive à l'intérieur. À combien environ? Environ moins 90 millivolts. OK. Donc, l'intérieur, il y a, on va dire, relativement chargé négativement. Le postérieur, c'est positif. OK? Ça, c'est l'état de base. Pour qu'une cellule se dépolarise, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la stimuler, oui. Mais cette stimulation, elle va donner lieu à quoi?
Il faut que ce courant-là s'inverse. OK. Il faut qu'il y ait une inversion des charges. Et quand il y a l'inversion des charges, automatiquement, il y a des vecteurs qui se dessinent entre le négatif et le positif. Et ainsi de suite. Alors, vous allez dessiner avec moi le schéma suivant. Il est très important, très, très important. Je vais vous dessiner le schéma d'un potentiel d'action. D'accord? Alors, au départ, on est au repos. OK? On est comme ça. Je vais peut-être tourner l'iPad. Je commencerai par la dernière phase et je vais y revenir. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça c'est l'état de repos, c'est-à-dire on est à moins 90 ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le sodium, il va rentrer à l'intérieur d'une façon rapide. Et du coup, l'intérieur de la cellule va devenir positif, il va rester négatif, il va devenir positif. Il va devenir positif. Donc, cette courbe-là en rouge, il va monter ou il va descendre encore? En sachant que vers l'euro, il va monter. Donc, dessinez avec moi la première phase, la phase 0. C'est la phase 0. D'accord? Comment on appelle cette phase? C'est la phase de dépolarisation rapide. Imaginez que ici c'est la cellule, c'est l'intérieur de la cellule. Juste imagine. Cette phase 0, elle est due à quoi? À la rentrée de sodium. Rentrée massive de sodium. En sachant que cette mesure-là, elle mesure le voltage à l'intérieur de la cellule. Donc, elle était négative au départ et ça monte. Ça pointe parfois jusqu'à plus 10, plus 30. Très bien. Après cette montée rapide, qu'est-ce qui se passe? La cellule, il se sent quoi? Non, avant le plateau. La cellule, il se sent quoi? D'un seul coup, plusieurs charges positives s'en sortent, rentrées. Donc la cellule, il se sent agressée. Et ça fait beaucoup, ça. C'est l'effet de surprise. Oh, d'un seul coup, beaucoup. Il se sent attaqué. Donc, il a deux solutions, la cellule. Il peut faire quoi pour équilibrer? Il y a beaucoup de sodium qui sort, qui rentrait, donc je le fais quoi? Je le fais sortir. Est-ce que c'est possible au départ, pas celui-même? Difficile. Difficile parce que c'est une armée de sodium qui rentre. Ce que je peux faire, justement, faire sortir le potassium. Que je peux faire sortir. OK. Et ça donnerait quoi? La deuxième phase. Alors, quand le potassium va sortir, la pipette à l'intérieur va enregistrer des voltages encore plus élevés ou ça va baisser un peu? Le potassium sort. Ça va baisser beaucoup ou un peu? Ça va baisser un peu. Donc, la courbe, il va faire quoi du potentiel d'action? Il va diminuer un déclin, exactement un déclin, et le déclin, ça va être comme ça. Pardon, je vais changer de couleur. Le déclin, c'est comme ça.
Voilà. C'est la phase 1. Comment on appelle cette phase 1? C'est une repolarisation lente. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a une guerre des ions à l'intérieur des cellules. Après, qu'est-ce qui va se passer? La cellule, elle sait qu'elle n'a pas encore eu le temps de bien se relâcher, de se remplir. Elle sait que tout le sodium est déjà rentré et le potassium commence à nous menacer parce qu'il commence à sortir. Donc, s'il n'y a rien qui se fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce potentiel d'action va. Si rien ne se passe, qu'est-ce qui va se passer après le 1? Ça va chuter. Et si ça chute, ça veut dire que le potentiel d'action va être très court. Et du coup, sur l'activité du cœur, va être vraiment, n'aura pas le temps de bien faire sa fonction. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une contre-attaque. Le potassium s'est montré malin. Il a commencé à sortir. Moi, je vais contre-attaquer. Comment je vais contre-attaquer? Ben, je vais demander au calcium de venir aider le sodium. Donc, ça va être quelle phase? La deuxième phase. On est bien d'accord? Ça va être la phase plate. Donc, récapitulons, la phase 0 est due à quoi? À l'entrée rapide du sodium. La phase 1 est due à quoi? À la sortie du plan du potassium. Et la phase de plateau est due à quoi? Entrée du calcium. Très bien. Une fois le plateau est fait, le plateau sur le CG, il correspond à quoi? C'est le ST, d'accord? Donc, c'est entre le QRS et l'ONT. C'est là où il se fait quoi en général, au niveau de la mécanique du cœur? C'est quelle période? La systole ou la diastole? C'est le début de la relaxation. Une fois c'est fait, il faut que la cellule revienne à son potentiel normal. Qu'est-ce qui va se passer après le 2? Non, pas la sortie du sodium, mais la sortie de potassium. On va le faire dans une autre couleur. Ça descend rapidement ou lentement? Rapide. C'est la phase 3, la repolarisation rapide. Exactement, l'enfant. Excellent. Quel est le souci qui reste maintenant? L'équilibre électrique a été atteint, mais le problème. C'est bon, en termes de charge, on est égaux, mais ça, c'est pas bon pour la cellule, il va se démasser. Donc, il faut restaurer. Le sodium qui est resté, il faut qu'il dégage. Et ça, c'est le rôle de quelle phase? Il faut de la phase 4. Qui est gérée par quoi?
par les pompes qui va rééquilibrer. D'accord? Et c'est ça le potentiel d'action. Qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant? Qu'est-ce qu'on doit comprendre maintenant? C'est ça le potentiel après. Et alors? Allez. Correspondant sur un ECG. La phase 4, c'est la phase de potentiel de repos. On va comprendre pourquoi je vous embête avec tout ça. Vous êtes rentré pour un atelier d'interprétation et jusqu'à maintenant, on n'a rien interprété. Est-ce que vous avez compris? Vous allez le comprendre dans une demi-heure maximum. Le reste, ça va être un jeu d'enfant. Si vous comprenez ces premières parties, le reste, ça va être juste des calculs. C'est très, très facile. C'est très important de comprendre ce fonctionnement électrique. Avant de passer à autre chose, je vais redessiner ce schéma, mais avec beaucoup d'applications cliniques. Voilà, rebolote. La première phase, c'est quoi? Première phase. Phase de dépolarisation rapide. Il est dû à quoi? Allez, allez. Entrée du sodium. La deuxième phase. Une petite déclinaison, c'est la sortie un peu de potassium. Troisième phase. Plateau dû à quoi? Quatrième phase. Dû à quoi? À la sortie massive. Et la quatrième phase, la cinquième, pardon. Donc retenez, dans un potentiel d'action, il y a cinq phases. 0, 1, 2, 3, 4. OK. Oui, Mehdi. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Une astuce pour reconnaître les cinq phases. Avec tu vois, une astuce. Tangolo double. RP. Double RP. C'est quoi double? Si il va retourner. Le D, c'est pour rappeler quoi? La dépolarisation rapide. Le premier R, il vous rappelle quoi? Dépolarisation lente. Le P, premier P, le plateau. Le deuxième R, dépolarisation rapide. Le deuxième P. Potentiel de repos. C'est bon? C'est bon? On s'approche petit à petit de l'interprétation, mais il y a un aspect ici clinique très important concernant l'usage des médicaments qui régularisent le rythme. Comment on appelle ces médicaments? Les anti
Arythmique. Les anti arythmiques. D'accord? Les antiarythmiques. Un antiarythmique, pour qu'il puisse agir, il va déranger quoi ici? Il doit déranger quoi? Il va déranger quoi? L'un des... Voilà. Off le raisonnement. Il va déranger l'une des phases. Il faut qu'il dérange ce potentiel d'action. Un antiarythmique, il dérange l'une de ces phases. D'accord? Il y a combien on va dire, de classes d'antiarythmiques? Il y a quatre. Très bien. Alors, la classe 1, elle fait quoi? La classe 1 des antiarythmiques, il va déranger quelle phase? Très bien. Il va déranger la phase 0. Ça veut dire quoi? Il va faire quoi? Les antiarythmiques classe 1, ils vont déranger quoi? Voilà. Ils vont déranger l'entrée massive de sol. La classe 3. Exprès, j'ai sauté la classe 2. Je vais revenir. La classe 3, il va déranger quoi? Quelle phase? Va déranger les canaux potassiques. OK. Les classes 4. Ils vont déranger quoi? Les canaux calciques. Vous le devinez, ce sont les... Quelque chose qui va déranger le calcium, ce sont les inhibiteurs calciques, tout simple. Là, la dégoxine, il ne rentre pas, pardon, j'oublie toujours. La dégoxine ne rentre pas dans les antiarythmiques. C'est un apparenté aux antiarythmiques. Alors maintenant, l'astuce pour se rappeler les antiarythmiques. Allez, les antiarythmiques. Ouais. Classe 1. Ce sont les inhibiteurs des canaux quoi? Sodiques. Alors, en fonction de l'intensité de blocage des canaux sodiques, il y a plusieurs médicaments. Et parmi ces médicaments, il y a les anesthésiques locaux. Classe 2. Alors, classe 2, ils ne vont pas déranger le potentiel d'action, mais ils vont limiter l'action sur les muscles calmes. Ce sont les bêta blocs. C'est-à-dire, ils laissent tranquille le potentiel d'action, mais ils empêchent l'action du potentiel d'action sur le muscle. C'est les bêta blocs. 3, ce sont les inhibiteurs des canaux potassiques, comme la cordaron. Cordaron, c'est le nom commercial de l'amiodarone. 4. Il dérange les canaux calciques, comme le diltiazème, c'est un inhibiteur calcique. Justement, pour la fameuse, très fameuse astuce, A, B, C, D. A, B,
T, C, et T. Ça marche? Dernière chose avant de passer à l'ECG. Compte une cellule et théoriquement, c'est bon pour cette classification ABCD. C'est une astuce que je pense que vous n'avez jamais oubliée. C'est très, très pratique. C'est bon? Est-ce qu'on doit passer aux dérivations maintenant? Je vous rappelle qu'on y a un potentiel d'action, c'est électrique. OK? Mais il s'ensuit quoi? Une contraction du muscle. OK? Le CG, il enregistre quoi? L'activité électrique ou l'activité mécanique? Électrique. Donc, pour les calcium, il y a une activité électrique, mais le cœur ne se contracte. Il empêche l'action. Il empêche le fait que cette modification du potentiel électrique donne lieu à une contraction. Vous avez compris? Les trois autres, 1, 2 et 4, et 1 et 3 et 4, ils empêchent carrément, ils dérangent carrément le potentiel électrique. Il y a un potentiel électrique, il y a une contraction juste après. Alors, avant d'arriver à la dérivation, regarde. Une cellule à la base. Par exemple, mieux ici. Elle est chargée comment à l'intérieur? Négatif. Et à l'extérieur? Positif. OK? Négatif, 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 positif. Pardon. OK. La dépolarisation arrive. Qu'est-ce qui va se passer? L'extérieur devient négatif. Progressivement, d'accord? C'est-à-dire, c'est dans ce sens. Ça commence à se négatif, d'accord? Donc, entre les négatifs et le positif, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la création de quoi? D'un champ. Non, le potentiel d'action, c'est la variation des charges. Non, je ne suis pas encore. Le potentiel d'action, c'est au niveau la variation des charges entre la paire des membres. Maintenant, c'est plusieurs cellules à la fois. Qu'est-ce qui se passe quand il y a changement du négatif qui sort alors que l'autre est toujours positif? Il se crée un vecteur dans ce sens-là. D'accord? Ici, est-ce qu'il y a un vecteur? Il est comment le vecteur ici? Est-ce qu'il y a un vecteur ici? Nul. OK? Et c'est pourquoi il y a une création d'un vecteur. Pourquoi il y a une création? Parce qu'il y a une dépolarisation qui commence, d'accord? À la fin, comment va devenir la cellule? Qu'est-ce qui va se passer au vecteur encore une fois? Il va devenir nul encore. Vous avez compris? Pour qu'il y ait un vecteur au niveau d'une cellule, il faut qu'il y ait une variation des charges de part et d'autre. La somme de tous les vecteurs de toutes les cellules du cœur qui donne lieu à quoi finalement? À un vecteur principal. Non, on ne parle pas d'axe. La somme de tous les vecteurs des cellules du cœur, je n'ai pas parlé d'axe. C'est vous qui parlez d'axe. Si vous me suivez, c'est mieux. La somme des vecteurs de tout le corps, de toutes les cellules du cœur, est donc un vecteur qui s'appelle le vecteur principal. D'accord? Le vecteur, c'est une différence de charge
dans un espace donné en décharge négative et décharge positive. Ce vecteur-là, supposons qu'il y a une caméra qui est placée ici. Comment il voit ce vecteur? En train de grandir ou en train de diminuer? La caméra est ici. La caméra est ici. Comment il va voir le vecteur? Grandir. Donc, le tracé va être comment? Sur cette caméra-là. Il va devenir comme ça. Vous avez compris? Donc, ici, il était comme ça, c'est nul. On est bien d'accord. Ici, ça monte. Et après, ça devient nul. Donc, le total, c'est tac, tac et tac. Supposons la caméra était ici. La caméra qui détecte la progression de ce vecteur. Comment il va voir la chose? Il va voir le vecteur en train de fuir. Il va devenir petit. C'est comme si vous étiez sur une station de train. Alors, au départ, il y a un train qui arrive. Quand vous voyez le train en train de grandir ou de s'appétit en voiture. Vous êtes une station de train et le train arrive. Le train grandit. Il prend du volume. Par contre, si vous êtes sur une station de train et le train quitte, le train, vous allez voir qu'il est en train de perdre du volume. C'est ça l'idée des dérivations. Les dérivations, c'est quoi? Ce sont comme des caméras de surveillance qui explore la progression du vecteur principal du corps du cœur. Ça marche? Oui. Alors justement, ces vecteurs-là, on en a deux types. Lesquels? Ces caméras de surveillance. Allez. Quand vous rentrez dans un magasin sur une surface publique, il y a des caméras de surveillance, c'est clair. Qu'est-ce que vous remarquez sur ces caméras de surveillance? Il y a deux types de caméras de surveillance. C'est quoi ces deux types-là? Très bien, Hebdo. Il y a des caméras qui tournent, qui scannent tout un plan. Ce sont les caméras mobiles. Exactement. Il y a des caméras fixes qui sont centrées sur une partie du magasin, par exemple. OK? C'est ce qu'on va voir tout de suite même. On va commencer d'abord par les dérivations, on va dire, mobiles, qui explorent d'une zone à une autre zone. Vous allez dessiner avec moi ce bonhomme. Avec sa tête. Allez-y. Dessinez avec moi le cou. Le tronc. C'est bon? Vous dessinez le membre supérieur gauche, droit, pardon. Le membre supérieur gauche. Le membre inférieur droit. Et le membre inférieur gauche. C'est bon, on l'avait dessiné. Je vous attends. C'est bon. Donc, vous avez le membre supérieur droit, le membre supérieur gauche, le membre inférieur droit et le membre inférieur gauche. Quelle est cette dérivation qui va zoomer ou scanner
de ce membre-là à ce membre-là. Allez, de membre supérieur droit au membre supérieur gauche. Comment on l'appelle? C'est la D1. Très bien. Quel est le nom de cette dérivation qui va explorer du membre supérieur droit vers le membre inférieur gauche? Comment on l'appelle? C'est D2. Et la D3, ça va être entre quoi et quoi? La D3, ça va être entre quoi et quoi? Entre gauche et gauche. Donc, ça va être ici, entre le membre supérieur gauche et le membre inférieur gauche. D'accord? Ce triangle-là, il s'appelle, vous le connaissez pour certains. C'est M. Eindhoven qui avait été derrière la création de le triangle d'Eindhoven. Ça marche. Il y a un monsieur après lui qui s'appelle Goldberger qui a rajouté trois autres dérivations qui scannent du milieu du cœur vers les membres. Alors celle-là, il s'appelle comment? C'est quelle dérivation? AVL. A c'est augmented, V c'est V et R right. C'est dérivation. Laquelle? Okay. C'est AVL. Ensuite, ce qui regarde vers les pieds, c'est AVS. D'accord? C'est clair? Qu'est-ce que vous remarquez sur ce schéma-là? Qu'est-ce que vous remarquez? Pas mémorisé. Ils sont bisectrices, oui, complémentaires, vous pensez? Moi, je suis gêné quand même. Parce que j'ai l'impression qu'ils se chevauchent. C'est pas très clair dans ma tête. C'est flou. Il se bagarre exactement. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir penser à ce qu'il parte du. L'idée, c'est de pouvoir penser à ce qu'il parte du même point. Même sens. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va redessiner tout ça. Toujours, on va dessiner la bagarre. Mais en mieux. Alors, rappelez-moi les amis. Ça, c'était quoi? D1. Ça, c'était quoi? Ça, c'était quoi?
C'est bon? Ça, c'était quoi? Ça, c'était quoi? Très bien, bravo. Vous suivez très, très bien. Et ça? Ah bien. Donc, on va choisir, on va prendre le choix de partir du centre du cœur. On ne va pas changer d'orientation, mais c'est juste faire une translation. Donc, on va prendre la une. On va prendre au centre du cœur. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va venir ici. Vous avez vu? OK. Je prends aussi la D2 et je vais la déplacer au centre du cœur. OK? Il va devenir ici. Vous avez compris? Et je prends aussi la D3 et il part du centre du cœur, comme ça. Donc, au total, j'aurai quel dessin? Voilà. Ça, c'est les dérivations. Les six dérivations frontales. Je vais vous expliquer c'est quoi frontal parce que. Ça marche? C'est bon? Je vais les redessiner en propre. Regardez maintenant. Non. Allez, répétez avec moi. Maintenant, en propre. Et on part tous du centre. Voilà le centre. Ça, c'est quelle dérivation, les amis? D1. Ça, c'est quelle dérivation? Ça, c'est quelle dérivation? Ça, c'est quelle dérivation? Ça, c'est quelle dérivation? Et ça, c'est quelle dérivation? Voilà, ce sont les dérivations frontales. Pourquoi on les appelle frontales à votre avis? Vous rappelez du cœur tout à l'heure? Parce qu'il voit le cœur dans un sens frontal. Rappelez-vous, dans un sens frontal, vertical. Écoutez, donc ça, vous écrivez avec moi, ça c'est D1, ça c'est D2. Ça, c'est D3. Ça, c'est... pardon. Ça, c'est AVF. Ça, c'est AVF. Ça, c'est D3. Ça, c'est AVL. Ça marche? Ça marche? Alors, juste par convention, tout ce qui est en haut, c'est négatif. Il n'y a pas de raison spéciale. Tout ce qui est en bas, c'est positif. Alors, quel serait le degré de D1? On dit plus 0. Quel serait le degré de D2?
Plus 60. Quel serait le degré d'ABF? Quel serait le degré de Détroit? Quel serait le degré d'ABF? Et quel serait le degré d'AVR? Oui. Alors, regardez ce qu'on va faire maintenant. Vous connaissez c'est quoi les calques? Les calques, vous connaissez les calques. On met un dessin au-dessus d'un autre dessin. C'est les calques. Les papiers calques, on l'avait déjà utilisé comme pendant vos études primaires. Très bien. Alors, regarde, vous avez maintenant les dérivations, OK, sur lesquelles on va mettre. Ah oui, moins 150, tu as raison. Bravo. Bravo. Moins 150, pardon. Sur lesquelles maintenant on va mettre le cœur. Vous vous rappelez du cœur, il était comment? Comme ça. C'est bon? Bon, c'est un peu raté, mais bon, c'est pas grave. Alors, il est où le territoire inférieur, les amis? Rappelez-moi, pour faire la connexion avec le début de l'atelier. Le territoire inférieur, c'est tout ça. Vous avez vu? C'est le territoire inférieur. Et regardez, et l'explorer par quelle dérivation? T2, T3. Est-ce que vous avez compris maintenant? Quand on a une anomalie dans le territoire inférieur, ce sont les dérivations qui vont l'explorer. C'est bon? Ce côté-là, c'est quoi? C'est quel territoire latéral? Parce qu'en fait, le latéral, il y a aussi ça. OK. Sauf que ça, c'est le latéral haut. Et le petit en bas, c'est le latéral bas. Donc, c'est quelle dérivation qui explore le territoire latéral haut? Quelles sont les dérivations qui explorent le territoire latéral haut? DA et AVN. Est-ce que vous l'avez compris? Très bien. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester ça. OK. Non, il va nous rester d'abord le territoire latéral bas. Est-ce que c'est clair? Il nous reste d'abord latéral bas. Est-ce que c'est clair d'abord latéral bas? Mais aussi le septum, le territoire septal. Et le territoire antérieur. Difficile à dessiner parce que je vous ai dit c'est en 3D. C'est bon? Qu'est-ce qui va nous permettre d'explorer ces deux derniers territoires? Celui-là et celui-là. C'est une dérivation qui sont horizontales. D'accord? Et très cordial.
Mais avant d'attaquer les dérivations précordiales, nous avons oublié une dérivation ici frontale, laquelle? Alors pourquoi elle est là, la verte? Vous l'avez laissée toute seule. C'est pas gentil. On a laissé cette dérivation seule. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? Lambda, surveiller, c'est-à-dire. À votre avis, le vecteur principal du cœur, bon, il a plusieurs paramètres, mais principalement, il est orienté vers où? Le vecteur principal. Alors, on va dire que, par exemple, le vecteur principal du cœur, il est orienté comme ça. Je vais le dessiner. Le vecteur principal. Il est mal dessiné. Pardon. Donc le vecteur principal, il est comme ça. Voilà, vous avez vu le vecteur principal? Alors, à votre avis, les complexes, ils vont vers ce sens-là. Regarde, c'est dans ce sens. Ils suivent le vecteur principal. Donc, est-ce qu'ils partent vers la verre ou ils fuient la verre? Est-ce qu'ils partent vers la verre? Ils le fuient. Donc, à votre avis, les complexes, c'est-à-dire les déclinaisons, ils vont être comment en avers? Ils vont être négatifs. D'accord? C'est comme ça, vous avez un cœur. Les contractions, elles partent dans ce sens-là, mais mon avers, elle est ici. Donc, il va tout la fuir. D'accord? Si vous trouvez des complexes positifs en avers, ça veut dire quoi? Alors, soit c'est l'exceptionnel pathologie, c'est-à-dire le cœur, il n'est pas comme ça, il est comme ça, il tourne. Ça existe, c'est le situs inversus. Ça, c'est exceptionnel. Et plus fréquemment, ça serait quoi? C'est l'inversion des phi. Ce sera l'inversion des phi. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Donc, la VR, généralement, les complexes, ils sont négatifs en AVR. Vous avez compris le rôle de la VR, les amis? Vous avez compris le rôle de la verre. Très, très bien. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a deux territoires que nous n'avons pas cités. D'accord? Mais avant, supposons que le cœur est ici. Le cœur est au rez-de-chaussée. D'accord? On verra, Omar. J'ai la majorité des cas, c'est ça. On verra tous. La caméra AVR, elle est au premier étage ou au sous-sol? La caméra AVR, elle est au premier étage ou au sous-sol? C'est à votre gauche ou à votre droite. La caméra AVR. Elle habite où? Vous, par rapport à vous, à votre gauche ou à votre droite? Vous, à votre gauche. Donc, fils. Donc, la caméra AVR, elle habite au premier étage. La caméra AVF, rez-de-chaussée, sous-sol, à gauche, à droite, au milieu. Vous choisissez. La caméra AVF, elle habite où?
Très bien, sous-sol, au milieu, à côté des escaliers. Donc, il est ici. Vous avez compris maintenant le jeu? C'est bon? Donc, vous allez maintenant essayer de faire habiter les autres caméras. Donc, la VL, il habite où? La VL. Je dis bien votre droite. J'ai bien dit votre droite. Donc c'est à gauche du poste. La caméra D3, elle habite où? C'est ici. Et la caméra des deux se sol à votre droite. C'est bon, c'est-à-dire à gauche. La caméra des 1, elle habite aussi au premier étage, mais juste à côté de AV. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ces dérivations-là, elles ne sont pas dans le même paire. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que quelqu'un habite au rez-de-chaussée? Personne. Alors, ceux qui vont habiter au rez-de-chaussée, comme même niveau, c'est, non, pas la dernière. C'est dérivation horizontale. Alors, pour vous expliquer ça, d'accord, pour vous expliquer ça, j'ai un truc de modélisation pour comprendre. Allez, regardez. Alors, si je prends par exemple les... Pardon, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Regarde. Est-ce que vous avez compris les différentes dérivations? Elles sont dans un sens frontal. Regarde. Et personne n'habite, on va dire, au niveau du cœur. C'est clair? Vous avez compris? Ils sont dans un sens frontal. Les précordia, ça va être dans un sens horizontal. Il va couper le cœur comme ça. C'est bon? Allez, je sors de ça. On va y revenir par la suite. Pour attaquer cette fois-ci les dérivations précordiales. Alors, pour les dessiner, pour les placer, on met les ventouses, les fameuses ventouses. Vous les connaissez, les ventouses? Vous avez déjà réalisé un ECG? J'espère. Yep, c'est ça? Tout le monde. Très, très bien. Alors, si vous me dites non, je vais me fâcher. Alors, je parle maintenant aux jeunes qui ne sont pas encore docteurs. Ce n'est pas normal. Vous ne réalisez, c'est pas au moins réalisation. Je dis même pas interprétation. Il faut réaliser le CG. Il faut le réaliser et savoir placer les ventouses. Si on rate l'emplacement des ventouses, qu'est-ce qui va se passer? On peut inverser, c'est clair. Et même dans l'emplacement, si on est loin du vrai emplacement, on peut avoir des soucis. Donc, ce qu'on va faire, on va tous se rappeler ensemble où on met les ventouses. C'est très intéressant, très intéressant. Alors, on va redessiner notre bonhomme. Allez, le bonhomme. Dessiner le bonhomme avec moi. Avec le tronc. Vous avez dessiné la tête, le cou et le tronc. Okay?
On a besoin de pas mal de repères. Le premier repère dont on a besoin, c'est le sternum. Dessine le sternum. On a besoin aussi des deux clavicules. Les deux clavicules. Marche. On a besoin du quatrième espace intercostal droit. On a besoin du quatrième espace intercostal gauche, mais aussi le cinquième. Et on a besoin du creux axillaire. Est-ce que vous avez dessiné les différents repères? Et on commencera maintenant à placer nos électrodes. C'est bon? Allez, on va commencer par placer la première ventouse, la V1. Elle est où? C'est le quatrième espace intercostal droit. À quel niveau? En avant, en arrière. C'est en parasternum à droite. Très bien. 6. Donc c'est la Z1. Ça marche? Il y a l'astuce dont je vous en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'angle de Lewis. Alors, prenez vos doigts, mettez vos propres doigts sur vous-même, palpez le creux cisternal, palpez-le avec les deux doigts. Vous descendez un peu, vous allez trouver une petite bossure sur le sternum. Là, par exemple, chez moi, c'est ici. Ça, c'est l'angle de Lewis. Si vous prenez le sternum de profil, il n'est pas droit comme ça. Non. Le sternum, il fait comme ça. Ce que vous ressentez maintenant ici, c'est l'angle de Lewis. Lewis. Je pense avec W. Mais bon, peu importe. Cet angle de Lewis, il est en regard du deuxième espace intercostal. Donc, vous palpez l'angle de Lewis, deuxième espace intercostal, troisième, quatrième. Pour être sûr, nous avons mis les ventouses au bon emplacement. La deuxième ventouse, V2, c'est où? C'est le quatrième espace intercostal gauche. On va passer à V4. Parce que la V4, il faut la placer où? La V4. C'est... Je prends la ligne qui divise la clavicule en deux, intersection avec le cinquième espace intercostal. C'est la V4, c'est le cinquième espace intercostal sous la ligne médio-claviculaire. La V2, ça va être où? La V3, pardon, ça va être où? À mi-chemin. La V5, ça va être où?
Si le cinquième espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure, c'est ici. V6, c'est la ligne axillaire, oui. Et là, vous avez votre six dérivations précordiales qui sont dans ce sens-là. Pour le code couleur, c'est pour les dérivations périphériques frontales. C'est le rien ne va jamais. Rouge, noir. Alors, oui, tu as bien fait de me dire. On était où? Donc, vous mettez le bracelet rouge ici. Rien ne va jamais. Rouge, noir. Rien ne va. Le vert, jamais, jaune. Voilà. Alors, pour la toute dernière fois, avant de passer tout de suite même à l'interprétation, on va placer les dérivations. C'est bon, la littérature est finie. Le reste, ça va être beaucoup de pratique. J'ai mon cœur. Henriette. Ventricule gauche. Ventricule droit. Mon Henriette. La marche. On verra les dérivations postérieures lorsqu'on va arriver au syndrome coronarien. Doucement. On va très, très doucement. C'est bon? J'ai le septum. Le sillon. C'est bon? Alors, ce territoire-là, c'est quelle dérivation? Rappelez-moi. C'est quelle dérivation? Rappelez-moi. C'est quel territoire déjà? Territoire inférieur. Donc on avait dit quoi? Quelle dérivation? D2 ABF D3. C'est clair? Ce territoire-là, en haut, c'est quel territoire? Territoire latéral O, D1, AVL. Ici, territoire latéral bas. Sur le côté, c'est V6, V5. Devant l'apex, l'apex c'est V3, V4. Le septum, V1 et V2. C'est bon? Je vais vous mettre un tracé juste pour réviser une toute dernière fois les dérives. Alors, ici,
Attends, je vais chercher juste mon. Ça, c'est quel territoire? Allez. Ma souris, il est sur quel territoire? Ma souris, il est sur. Vous arrivez à voir ma souris? Non? Non. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Le D1, la première dérivation D1, c'est quel territoire? La D1, la D2. Citez-les dans l'ordre que vous voyez maintenant. Citez-les dans l'ordre que vous voyez. D2, inférieur. D3, inférieur. AVR. AVR. Écoutez-moi. AVL. AVF. AVF. Très bien. V1. V1. V2. V3. Alors, on peut dire apical ou antéro-apical, c'est la même chose. On peut dire aussi septal ou antéro-septal. Alors, écoutez, antéro-septal et antéro-apical, les deux constituent l'antérieur. V5. V6. Est-ce que c'est clair? Pour la majorité, c'est clair. On a les dérivations. Très bien. Donc maintenant, on va. Je vais l'écrire quand même, vous regardez chez vous. Donc, territoire inférieur, c'était quoi? D2, AVF, D3. Antérieur, il y a l'antéro-septal, c'est V1, V2. Il y a l'antéro-apical. V3, V4. Latéral bas, c'est V5, V6. Latéral haut, c'est, pardon, c'est D1, AVL. Encore une fois, ce serait bien de ne pas brûler les étapes et de parler des choses dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y a une progression pédagogique à respecter. On ne passe pas du premier étage au septième étage, on y va doucement. C'est bon? On va parler des dérivations portées, on va parler des autres choses, mais petit à petit. C'est bon? Alors maintenant, des choses plus. C'est-à-dire plus jovial. Parce que Céline, on a signé avec la littérature. Maintenant, ça va être beaucoup plus des choses pratiques. Allez. On va dessiner tous ensemble un ECG qui est un tracé qui est parfaitement normal. Allez, dessinez avec moi. Le premier incident électrique, c'est quoi? La dépollution, elle est magnifique avec vos caractères automatiques. Dépolarisation des oreillettes. OK. L'onde de P et l'onde de P, c'est la dépolarisation des oreillettes. Après la dépolarisation des oreillettes, il y a un espace qui conduit.
Attends, je vais refaire, s'il vous plaît. Je répète. Ça commence. Parlons depuis, OK? Ensuite, un espace qui conduit. C'est l'espace PR. Ensuite. Ensuite. Alors, toute déflexion négative qui arrive après le PR, c'est un Q. Q, d'accord? Toute déflexion positive après une première déflexion négative, c'est un R. D'accord? Et après, la deuxième déflexion négative, c'est le S. Ensuite, il y a quoi? ST. Ensuite, le T. Voilà, on a fait un tracé tout à fait normal. Alors, retenez l'astuce. Sur un ECG, on va dire normal, il y a l'astuce des 3, 2, 1. Retenez cette astuce. 3, 2, 1. Alors, il y a 3 quoi? Alors, on peut dire onde ou complexe. Très bien. Onde ou complexe. L'onde de P, c'est la dépolarisation des oreillettes. Le QRS, dépolarisation du ventre Q. Et le T, c'est quoi? Le T, c'est la repolarisation des ventres. Très, très. Il y a deux quoi? Il y a deux quoi? Deux espaces. Deux espaces. OK. Lesquels? Alors, le premier, c'est l'espace PR. Il va de où à où, l'espace PR? Du début de quoi? Du début de l'onde de P au début du QRS. Donc, c'est ici. Allez, ça, c'est l'espace PR. Retenez bien, c'est du début du P, début du QRS. OK. Ensuite, le deuxième espace. Non, c'est le deuxième espace, c'est... Non, c'est l'espace. Ah, le ST, c'est un segment. Deuxième espace, c'est que vous oubliez souvent dans vos interprétations et pourtant il est très important, surtout d'ailleurs avec la pandémie. C'est l'espace QT. C'est de où à où l'espace QT? De où à où? Alors, du début du QRS jusqu'à la fin. Parce que pour le PR, on avait dit début, début. Pour le QT, c'est début, fin. Voilà, ça c'est l'espace QT. Alors, la PR, c'était la conduction au reculoventriculaire. Le QT, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Il comprend quoi?
Exactement. Il comprend à la fois la dépolarisation et la repolarisation ventriculaire. Ça veut dire quoi? La dépolarisation, le cœur s'est contracté, il doit revenir à sa base, à sa phase basale pour qu'il commence à être rempli. Je répète, la systole, la mécanique, il se contracte, mais il doit revenir à sa phase normale pour qu'il commence à se remplir. D'accord? Donc le QT, justement, il correspond à la systole électrique. L'QT correspond à la systole électrique. Ça marche? Il nous reste un. Un quoi? Un quoi? Un segment. Et le segment, c'est quoi? Le segment ST, qui est théoriquement comment? Il est comment, le ST? Il est isoélectrique. Alors, sur quelle base on définit la ligne isoélectrique? C'est cette ligne-là qui définit le segment PR, le segment PR, même s'il ne rentre pas trop dans la nomenclature francophone. Les anglophones, ils parlent aussi d'un segment PR. Plus les francophones, on décrit la ligne isoélectrique, c'est celle-là. OK? Ce point-là, il s'appelle le point J. À quoi ça va servir? Le point J, c'est la jonction entre le segment QRS, pardon, entre le complexe QRS et le segment ST. À quoi correspond? Non? C'est le début du segment ST, mais c'est sur ce point J qu'on va, voilà, qu'on va se dire si on est dans le sus ou le sous-décalage. C'est exactement ça. C'est celui qui va nous décrire, c'est celui sur lequel on va se baser tout, par la suite pour définir l'amplitude du sus-décalage. C'est bon? Une très bonne question, Nana. La repolarisation des oreillettes, on ne la voit pas, ce qui vient en même moment que la dépolarisation des ventricules. C'est clair? 3, 2, 1. Vous vous rappelez du potentiel d'action? Si vous vous rappelez des choses, allez. Vous rappelez du potentiel d'action? Ça commence par quoi? D'abord, ça compte par le potentiel de repos, il est là. Ensuite. Dépolarisation rapide. Ensuite. Repolarisation lente. Ensuite. 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 Potentiel de repos. D'accord? Si on rassemble l'ensemble du potentiel d'action, rappelez-vous, ils vont nous donner par la suite un mouvement des charges et un vecteur principal. Mais regardez maintenant en termes de timing.
qui correspond à quoi? Si Dieu dessine en même moment le CG, alors ça va être comme ça. Nom de P, le Q, R, S, nom de T, et la repolarisation, et ensuite c'est comme ça. Donc ici, c'est la dépolarisation du vecteur principal. Le plateau, rappelez-vous du plateau, il correspond à quoi? Le plateau. C'est comment c'était. Et la repolarisation, c'est ici. Pourquoi je vous parle de ça? Alors écoutez, écoutez-moi bien. La phase 1. La phase 2. Et la phase 3. Est-ce que le muscle cardiaque peut être stimulé à cette phase-là? Comment on appelle cette phase-là? La phase réfractaire quoi? Absolue ou relative? Absolue ou relative? C'est absolue. Ici, c'est réfractaire absolue. D'accord. Le reste de la phase 3, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement de part et d'autre. Pour qu'une cellule soit stimulée, il faut qu'il y ait un changement. C'est la phase réfractaire relative. Ça correspond à quelle phase de l'ECG ici? C'est à la pointe du segment T. Est-ce que le cœur peut être stimulé à cette phase-là, de phase relative? Oui, sauf que ça peut donner quoi? Il peut stimuler par un stimulus intense, oui. Sauf que ça peut donner. Le cœur, il peut stimuler à cette phase-là, mais il faut un stimulus intense. Sauf que le problème, ça survient sur le pic de l'entité, et ça peut donner des troubles de rythme graves. On verra par la suite, quand on va voir la défibrillation, la cardioversion, il y a cette histoire. Donc, vous entendez parler de ce terme-là, cardioversion synchrone et asynchrone? Synchrone, vous entendez? C'est un bouton qui existe sur les défibrillateurs. Vous allez comprendre que synchrone, c'est exactement faire coïncider la défibrillation sur la fin de l'entité. Mais ça, vous allez comprendre demain, lorsqu'on va arriver à l'interprétation en elle. Je vous demande encore patience. C'est bon? Alors aujourd'hui, exprès, j'ai fait des rappels anatomo-cliniques, physiologiques, pour les gens qui veulent comprendre plus. C'est-à-dire comprendre le pourquoi des choses. Et je sais qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de monde qui ne peut pas se libérer le samedi matin. Je vais laisser toute l'interprétation pour demain. S'il nous reste un peu plus de temps, on peut rajouter lundi soir. Donc demain, on va rentrer directement dans l'interprétation. Donc pour ne pas pénaliser les gens qui n'ont pas pu être parmi nous ce samedi matin. Mais je pense,
très intéressant, très important de comprendre le pourquoi des choses. Comprendre c'est quoi une dérivation. Comprendre c'est quoi un vecteur, c'est quoi un portant sur l'index, l'anatomie, la localisation des lésions. Vous allez voir que par la suite, ça va être vraiment un jeu d'enfant, je vous le promets. D'accord? S'il y a des choses à refaire, des questions, on peut les reprendre demain. Et demain, si vous avez des amis, ils peuvent nous rejoindre. Il n'y a pas de souci parce que demain, on va rentrer directement. Il y a des gens qui n'intéressent pas la physiopathe. Moi, je trouve dommage. Il faut tout comprendre le corps humain. Mais après, il y a des gens qui veulent juste interpréter et c'est tout. Donc demain, on va faire l'interprétation d'emblée. Est-ce que c'est clair? Donc demain, 10 h, quand on dit atelier challenge, ça veut dire c'est un atelier qui est détaillé, qui prend du temps. Donc faites-le une fois par an, vous n'allez rien perdre. C'est une fois par an. C'est clair? J'imagine que le rythme était bon. J'essaie d'être le plus lent possible. Plus lent que ça, je ne peux pas. Pour ne pas. C'est bon? J'espère au moins que la phobie commence à se dissiper. Et vous allez voir que demain, complètement, cette phobie va disparaître. C'est bon? Donc, soyez nombreux. Appelez vos amis pour demain, même s'ils n'ont pas assisté aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous avez compris la séparation que j'ai faite? Demain, ça va être l'interprétation. Donc, appelez vos amis. Ce n'est pas grave s'ils n'ont pas pu assister. Parce que j'ai eu beaucoup de messages qui ne pouvaient pas assister samedi matin. Tout le monde voulait dimanche. Mais ce n'est pas grave. Ils peuvent assister demain sans aucun problème. Et alors, je vous dis à demain, 10 h pile. Allez. Donc, demain, on verra et le CG normal et le CG pathologique, Inch'Allah. Merci.